On s'était arrêté avec 2-3 langages maîtrisés, il me semble. Ouais, voilà. Et il nous restait éventuellement le langage des dévots à maîtriser avec instruments, fer et mukwa. Donc on savait qu'il fallait qu'on trouve, pour valider ce putain de langage, quelqu'un qui fait de la mukwa. Et en fait, j'y réfléchissais et on avait complété des dialogues la dernière fois qui disaient « Oui, les bardes vont venir à l'abbaye. » Et on était en mode « Ah ouais, peut-être, machin, etc. » Et en fait, je me dis, si ça se trouve, c'est lié à ça. Donc on va aller regarder un petit peu si on trouve des choses. Mais j'ai envie de vite fait compléter ce dernier langage-là. Je sens que la dernière partie, elle va être plus simple si on complète le langage de... Tiens, tu vois, typiquement, là, il y a quelqu'un en train de jouer avec ce monsieur-là. C'est un barde qui est venu, là. Lui, il fait de la mukwa, mais je crois que c'était pas ça qui permettait de... Il faudra peut-être trouver quelqu'un qui va nous dire le mot mukwa et il faudra qu'on trouve ce que c'est. Donc on va chercher un petit peu dans l'abbaye, d'accord? Mais pas trop longtemps non plus parce que j'ai pas envie de passer des heures dessus. Là, c'est là qu'il y avait la gamine qui nous avait dit « Tu pourras pas m'attraper. Cherche-moi. » Voilà. La scénographie est magnifique quand même, hein. On a beau revenir sur des trucs du début du jeu, vraiment on s'en prend plein la gueule quoi. Hein. Je crois que c'était par là après, non? Pour passer à la suite. Parce que après c'est juste la porte. Alors là il faut être caché. Voilà. Est-ce qu'à un moment je vais trouver quelqu'un qui joue de la mukwa? En tout cas là y a rien. J'essaie de repérer tout ce qui est interagissable. Parce qu'il y a forcément un truc que j'ai raté quelque part. J'étais allé par là? Ah bah c'est les... Alors, j'avais bien vu ça. Instrument, instrument. J'avais bien vu ce mec là qui me disait « Je veux faire musique. Bonjour. Moi, faire des instruments. Toi, aimer mukwa. » Avec l'incapacité de poser une question derrière. Donc c'est pas lui qui me manque normalement, hein, on est d'accord? Alors est-ce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous dire... Ah putain, je l'ai pas parlé à lui! Mais si! Moi, faire des vases. Avez-vous besoin d'un vase? Putain! J'y crois pas. C'était en parlant à lui qu'on avait un truc. Mukwa, fabriquer, instrument. Ok, bon bah on a validé celui-là du coup. Instrument, mukwa, faire créer. Et hop là. Ok. Donc c'était avec le mec qui faisait des vases qu'il fallait découvrir la musique en fait. Bon, on aurait pu chercher longtemps si on n'avait pas trouvé qu'il fallait lui parler hein, quand même. Ok. Donc ça c'est cool, ça veut dire que maintenant les traductions elles sont entre guillemets faciles à faire. Ensuite on pourrait aller chercher si on a envie la deuxième porte du côté des soldats. C'était là je crois, non? Ah ouais. Non attends, c'était pas par là. C'était où le deuxième déjà? C'était en chemin vers le cimetière, non? C'était en chemin vers le cimetière, je crois. On pourrait aller chercher la deuxième entrée du côté des soldats, peut-être. La deuxième porte secrète. Parce que là...
Tout cela, on les a fait. Alors après, est-ce que celle-ci aura un message de traduction? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que oui, parce que il nous reste des liens à rétablir ici. Attendez. Là, il nous reste un lien à rétablir, là, j'ai l'impression. Non? On n'est pas d'accord? Donc j'imagine qu'il est là. Mais alors par contre... Où faut-il chercher chez eux, quoi? Je peux pas descendre d'un étage, donc c'est bel et bien par là. Mais ils sont tous partis? Ah non, il y a des deux veaux. Attends, mais pourquoi il y a des deux veaux ici? En même temps, tu me diras si les autres sont venus, peut-être que... Est-ce que les dialogues ont changé? Ce serait incroyable. Ce serait trop cool que les dialogues aient changé. Venir voir un petit peu ce qu'on a apporté avec, avec la découverte de la langue. Est-ce qu'on peut te parler, toi? Non, je ne peux pas te parler. Attends, mais quoi? Il y a des trucs là, il y a des trucs là, quoi? Je l'ai fait, cette porte-là? Ah, bah alors! Encore une porte avec une clé, chelou, hein. Que on sait toujours pas ce que c'est. Mmh. Ah, ça, c'est juste l'entrée de la base. Et maintenant, il me laisse passer. Mais il n'y a rien par là-bas, c'est ça, la caméra va bouger. Ça veut rien dire, ça sert à rien. Ok. Ah, les portraits qui t'écrasent comme ça, là. Enfin, les grandes... Toujours, hein, quand même. Ça fout toujours un peu les boules. Ok, bon, bah du coup, c'est par en haut, là, j'imagine. Ah, alors attendez, j'ai aussi là... C'est compliqué. Mmh. C'était par là qu'avait commencé notre infiltration, non? Et ça, c'était juste le truc pour monter... Est-ce qu'on peut juste leur foutre la honte et retourner la statue à nouveau pour montrer que il y a marqué le guerrier écrase les infidèles? Est-ce qu'on peut leur remontrer ça ou pas, hein? Est-ce qu'on peut être une personne horrible et recréer le conflit? Regardez. Non, ils s'en tapent, j'ai l'impression. Dommage. On n'a pas réussi à foutre la merde. Ça aurait été très drôle dans un jeu sur la tour de Babel, tu puisses te servir du langage que tu as acquis. De la connaissance que t'as à réunir toutes les nations pour juste foutre encore plus le merdier. Et voilà quoi. Dommage, on ne peut pas. Le jeu n'est pas marrant. Dommage, le jeu n'est pas drôle. Alors. Il y avait rien derrière cette porte, hein. Ouais, c'était juste deux gardes et on pouvait jamais passer. J'avais essayé, je m'étais fait griller plusieurs fois. Il fallait passer là. Qu'est-ce que c'était ça? Attends, j'ai jamais fait ça? Ah si, c'est l'ascenseur! C'est l'ascenseur. Pardon. J'ai freaked out l'espace d'un instant, j'étais en mode quoi? Un secret que je n'avais jamais vu, mais si, j'avais déjà vu.
Je ne trouve rien pour l'instant. Vraiment, la base vidée de tous ces soldats, c'est quand même vraiment un spectacle chelou. Hein. C'est presque marrant que les devs aient codé un truc pareil. Oh. Putain, ça fait peur tellement c'est vide. Ok. Là, c'était juste la ressortie en fait. On avait fait le tour, je crois, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Donc la suite, c'est par là-bas. Là, il y avait lui qui disait bah, bah, bah. Là, il y avait les deux qui disaient Gérard Depardieu attend sa bouteille. Ah non, c'est pas ici. C'était quoi ça, élu? C'était le chemin vers la lyre, ça, j'imagine. Dans la salle au trésor, peut-être? Ça, c'était la fin, là. Bizarre, d'ailleurs, parce que les élus sont pas là où il y a marqué élu. Ah, ou alors c'était juste l'observatoire, là? Je sais plus. Donc là, toute l'histoire de passer pour trouver le trésor, là. Ce serait bien dans ce genre d'endroit qu'ils aimeraient être une salle secrète, non? Pas du tout. Je sais même plus à quoi ça servait cette salle-là. Je sais même plus à quoi ça servait cette salle-là. J'avais dû découvrir un truc, mais alors quoi? Ah si, il y avait le truc à tourner là. Ouais. Donc là, c'est la salle au trésor. Ici. Yarine. Bon, on va pas chercher pendant 150 heures, hein, les cocos, on veut passer à la suite à un moment quand même. J'aurais bien aimé trouver le dernier coin là. D'autant plus que je suspecte qu'il y a un truc. Je suspecte qu'il y a un... Je suspecte qu'il y a une traduction à faire. Peut-être entre les soldats et les alchimistes, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait. Soldats et alchimistes. Elle est peut-être là d'ailleurs. Hein. Caché dans un coin ou je sais pas quoi. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi il y a un dévot à l'observatoire? Tout ça pour nous apprendre soleil et lune quoi. Vous sauriez pas où il y a un coin secret vous par hasard?
savent pas. Alors est-ce que c'est l'un des quatre chants que j'ai pas que j'avais pas joué avec la cloche aussi, peut-être ça hein. Est-ce que c'est l'un des chants que j'avais pas joué avec la cloche qui débloque un passage secret, peut-être aussi. De toute façon, je crois qu'il me reste plus qu'à visiter le coin des élus hein. Le reste de la caserne, ça a été exploré hein. Ils font une représentation de machin. Ils font une représentation de théâtre. Trop cool. Bon voilà, j'étais content de voir ça. Il m'en faut pas beaucoup plus. Alors, ouais. C'était pas un chant qu'on avait oublié. Ah mais oui, le chant des élus, et du coup ils sont tous allés au théâtre en fait. Putain, c'était ça le chant des élus quand on l'a joué, l'appel des élus. C'était qu'en fait ils sont tous allés voir une représentation de théâtre. Parce qu'en fait ce que eux ils appellent des élus, en fait c'est des bardes. Et donc en fait ce truc là, ce qui faisait qu'ils étaient tous en train de d'étaler comme des lapins, c'est en fait que ça annonçait l'arrivée des bardes sur la grande place. Et du coup j'imagine que ils avaient dû se rassembler en quatrième vitesse, mais qu'effectivement tant qu'on faisait pas la traduction, les bardes n'étaient pas là quoi. Ouais, je vais pas avoir trouvé cette dernière salle, quoi. Un peu triste. Un peu triste, quand même. Ah, ils ont barré du coup. Je sais plus où est la suite. Enfin, où est la suite? Où est le moyen de se barrer de là? Bon, après, voilà, on a quand même traduit toutes les langues, on est capable de faire des traductions, mais. Mais il nous manque. Il nous manque un lien social. Est-ce qu'il y a du monde chez eux qui vient ou pas? Non, les bardes, il n'y a personne qui vient les voir, quoi. Ils restent bien, bien, bien entre eux à siroter leur jus de banane, leur jus de banane rose, là. Ah si! Bonjour! Je me suis perdu ou... Ah non, je me souviens. Je me souviens de comment on accède à la suite. Il
Fallait passer par là. Et fallait aller par le bas. Là. Ok. Allez, bon, allez, à la sortie du jeu, là, à la fin du jeu. Sinon on va pas y arriver. Let's go. Alors, on avait, je crois, de mémoire, des consoles un peu cheloues qui devaient servir, je pense. Enfin, ma théorie, c'est que c'était des pierres de traduction. On sait pas pourquoi aussi, il y avait plein de monde, ils avaient tous marqué Exil, hein. Et on savait pas pourquoi, et c'est Tron, et c'est ultra beau cette zone, mais... C'est aussi ultra dépressif en termes d'énergie, donc voilà. Et la Muko était magnifique. Alors, là on nous explique qu'on peut faire tourner les machins. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait moi. Et qu'éventuellement en faisant cet alignement là. Et qu'en fait, on pouvait essayer d'aligner un petit peu les mots qu'on connaissait déjà, quoi. Grosso modo. Donc là, par exemple, fabriquer et créer, on peut les aligner sur je ne sais pas quoi. Mais ces deux-là, on est à peu près sûr qu'ils sont alignés. Mais pas ici. Voilà. Que ces deux-là sont pas censés être alignés non plus. On avait aligné clé. Et qu'en gros je pense qu'il fallait trouver un petit peu les mots qui vont bien quoi. Pour aligner tout le bazar là. Tu vois typiquement clé. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de l'aligner avec ça. Donc pourquoi est-ce que lui il est un... Voilà. Donc en gros il faudrait probablement trouver un truc qui permettait d'aligner moi et moi. Et là, clé, les deux sont alignés, donc on avait envie de... Voilà. La conclusion qu'on avait tirée, d'ailleurs c'est l'un de ces trucs là sur ce dictionnaire à la con là, on avait découvert ces choses là, mais après il y avait plein de trucs qu'on comprenait pas. Et notamment, bah, on avait réussi à découvrir un petit peu ce que c'était censé être moi en alignant ceux-là. Et en alignant clé, parce que celui-là et celui-là sont alignés ensemble, donc on est censé découvrir clé. Et donc celui-là, on estime que c'est clé. C'était ça la logique. Ça veut dire qu'on estime que cet anneau, ils sont dans le bon sens. Donc que ça, c'est probablement parler, ça. Attends, mais cet anneau, ils sont pas alignés. Non, attends, c'est pas bon du coup. Parce que là, ça veut rien dire, ça. Homme humain fabriqué et créé, ça veut rien dire. Je crois que je m'étais perdu sur cette énigme-là. Je crois que j'avais fini par dire fuck it, je comprends rien. On va continuer à chercher. Muqua, bah c'est pas trop la Muqua là. Hein. Alors là, on avait dit clé. Donc clé, c'était je crois ça. Clé, ouvrir, j'en ai aucune idée. Porte, c'était pas ça. Voilà. On va trouver. Donc la grosse LAN partie de ouf là. Et là il y avait un autre traducteur à la con. Oui, j'ai compris comment ça marche, merci. Toi. Toi. Pourquoi ces deux-là sont alignés là? Je file bonne soirée. Bonne soirée à toi, Yumu. Mort.
J'ai un peu du mal à capter l'alignement des choses, quoi. Genre là, mort, 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 mais je pense pas que ça, ce soit mort. Mais bon, on peut essayer de noter des trucs, hein. Et là, ça, ce serait aider, mais ça me paraît illogique parce que ces deux symboles-là sont alignés en même temps. Je pense qu'on est en train de prendre des, on est en train de prendre des mots qui n'ont aucun sens. On est en train de rassembler entre eux des mots qui n'ont aucun sens. Putain, par contre, l'esthétique est what the fuck au possible ici. What the fuck? What the fuck? The hell? Bon, là, on peut. J'imagine qu'on a quatre symboles qui se complètent, on peut comprendre. Salutations, salutations. C'est un device à traduire, les connards. C'est un truc qui sert à traduire. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai résolu le puzzle sans faire exprès! C'est pas grave. C'est très bien. C'est super. Du coup, cette langue-là, on va pas l'apprendre, on va juste la découvrir, quoi. Homme, homme. Ah, c'est ça. Donc, celui-là, c'est homme. Slash humain. Voilà. Ok. Oh, mais c'est trop facile du coup. C'est trop facile. Donc là, on va découvrir les clés en fait, là, c'est ça? Non, mais du coup, ils ont vraiment prévu de nous faire revenir en arrière, quoi. Donc il faut bel et bien réussir à faire leur petit puzzle à la con pour traduire le dictionnaire. D'accord. On en a la confirmation, donc c'est parti, hein. On va essayer de hacker le système. Alors, est-ce qu'il y a des mots qu'on a découverts ou pas du coup? Faut qu'on y aille avec les mots qu'on connaît du coup. Donc toi, ça c'est le bon aliment de toi. Aider. Donc ça c'est mort, ça c'est garanti. Maintenant il faut qu'on aligne mort. Ça c'est bon, donc ça veut dire toi, c'est bon, on a compris. Et donc celui-ci maintenant il faut l'aligner. C'est bon. Merci à vous. Non mais il est trop facile là le jeu là. Trop facile le jeu. Mais non mais ils ont mis un cheat engine aussi. Ils ont Google Trad. Ça c'est l'entrée, ça c'était l'endroit d'où je venais. Et donc en fait clé ouvrir porte, on va le faire très vite en fait parce que je crois qu'on a déjà les mots, on a déjà les mots clé, on a déjà les mots ouvrir et là on va avoir porte, j'imagine avec celui-là. Du coup, alors moi, ça c'est censé être homme humain. Ça c'est moi, ça c'est aligné ça. Clé, c'est aligné ici, on est d'accord. Donc ça, c'est parler. Clé, c'est ici. Parler, c'est bon. Avec quoi est-ce qu'on aligne fabriquer? Voilà. En tout cas, c'est pas trop mal fait parce qu'on a pas réussi à le faire au pif alors qu'on avait déjà quelques éléments de réponse et quelques suspicions sur le fonctionnement du puzzle, hein. En tout cas, c'est pas mal. Par contre, c'est vraiment que de la trad, quoi. C'est vraiment pragmatique cette zone, hein. C'est pas de là qu'on vient, ça?
si celle-là convient. Okay. Qu'est-ce qui a marqué du coup? Est-ce qu'on peut le lire ou pas? Élu, salutations sur tour. Ah, c'est bienvenu. Exil. Élu, peuple, exil. C'est peut-être pas élu du coup. Tour, peuple. Je comprends pas encore la syntaxe de leur phrase à eux. Hein. Et qu'est-ce qu'il me disait lui du coup? Tour, pff, va-t'en. Va-t'en? Il est connard de merde, hein. Pas fini, oui. Non mais j'hallucine, il m'a dit va-t'en ce bâtard. Eh, je vais lui en coller une, hein. Puis ça, je sais pas pourquoi je peux le regarder, ça. Est-ce qu'il y a un truc sur l'écran qui apparaît? Faut peut-être lui ramener un truc à lui, genre lui donner une cassette ou je sais pas quoi. Dis donc, va-t'en. Pourquoi est-il aussi méchant, ce monsieur? Ça, c'est les jeux vidéo, ça rend les jeunes violents. Hein. Bon, ici, clé ouvrir porte, on sait le faire. Du coup. Non, mais c'est vrai, quoi. Clé. Ouvrir. J'essaie de comprendre un peu la syntaxe de leur langage de merde, mais je comprends rien. Parce que... Ok, j'ai cette ref. Je m'en veux parce que... J'ai failli dire je m'en veux. Je m'en veux parce que c'est une rêve de vœux. Oh là. Oh, oh, je suis vieux. Salutations. Tu es celui que j'attendais. Ok. C'est tout. Et rien d'autre? Mais donne-moi un truc exceptionnel là. Oh les malades. Je comprends la structure. Je comprends la structure de leur langage de fou. Je comprends la structure de leur langage de taré. Je comprends la structure de leur langage de taré. Je comprends la structure de leur langage de dingue. Je comprends la structure de leur langage de fou. Oh mon dieu. Ils ont un langage de barge. Étranger, monter, porte, venir. Venir, c'est venir, moi. Ok. Alors, mourir. Hein? Aller mort, mourir. Pas aller mort, ressusciter, arrêter. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Des groupes. Ne pas chercher, c'est complexe. Oh là là, mais il est barge leur langage. Il est barge de fou. Il est barge de fou. Chercher. C'est quoi ce symbole déjà? C'est oublié? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Peuple? Les peuples? Mon peuple? Et nous? Pas du tout. Ah putain, c'est ça mon peuple. Pardon, excuse-moi, j'ai inversé. Les peuples.
Mon peuple, nous, ne pas chercher. Ok, c'est bon. Et donc là, c'est quoi? C'est peuple au pluriel. Ça, c'est nous. Ça, c'est se désintéresser. Et ça, c'est mon peuple. Vous avez entièrement traduit la langue des reclus. Viens. Ok. Ils ont une langue de malade. Mais par contre, Google Trad, ça termine le jeu en 2 minutes, quoi. Donc où va être le plot twist? Mon peuple construisit la tour. Ok. Des peuples étrangers virent la tour. Vint à la tour, pardon. Ah, ils font fermer les, nous fermîmes les portes. Les peuples arrêtèrent de parler. Les peuples eurent peur des peuples. Hein? Pour quelle raison? Mon peuple partit dans l'exil. Nous sommes mourants. La tour est mourante. Mais c'est moi ça! Ils m'ont transféré en bas, les connards! Bah oui. Je t'ai créé. Tu es la clé. Aide-nous. Rappelez-vous, au début, on sortait de ça. Fais que les peuples se parlent. Ouvre les portes. Stoppe l'exil. Ressuscite la tour. Celle-là, on la connaît. Celle-là, on la connaît. On l'a déjà vue! Il va me dire où c'est? Ah, t'es un fou, toi. 1, 2, 3, 4. Tu montres une porte à chaque étage. Eh oui. Mais je sais où c'est, je sais où c'est. Attends, mais c'est une dinguerie, ce truc. On les avait trouvés partout, les petites portes à la con, du coup, ou pas? J'ai oublié où elles sont, moi. Ah! Il me les indique, c'est gentil, ça. Ah, mais il me les indique, comme c'est aimable! On va aller faire la première. Alors, on passait par là. Pourquoi je suis pas allé directement au bon endroit? Je crois que c'était là, c'est ça, l'abbaye. Je sais plus exactement où elle était, cette porte à la con, en plus. Ah mais la truc va biper jusqu'à ce qu'on trouve le machin. Oh, ça va, tout va bien. Non mais ça va, ça va. Si ça bipe jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, c'est bon. Ah oui, bah eux, ils sont venus aider pour pas que les plantes ne meurent. Oh, c'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Voilà, c'était là qu'on avait eu le truc. Plip, 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 plip. Ça va exploser! Ok. Calme-toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Oh putain, j'ai jamais vu de clé aussi anxieuse de toute ma vie.
Hein? Mais qui c'est que ce délire encore? Alors. C'est pas le dévot, lui, c'est le prêtre, non? C'est l'orateur, je crois, non, lui? Il est où le prêcheur? Chercher, vouloir. Non, il y avait un mot pour voir. Voir les potions. Les potions, c'est les instruments, c'est ça. Le prêcheur voit les potions. Père entrée. Qu'est-ce que c'est que cette salle complètement barge? What the fuck? Putain, quoi encore? Bonjour, je suis exil, attendez. 2 secondes. Bonjour, je suis exil. Viens à moi. Viens dans l'exil. C'est tout? Piploup. J'ai éteint exil. Ah ouais? Et lui, il va se libérer du coup, c'est ça? Bravo, bravo, tu m'as aidé. Je vais aider la tour. Je vais parler au peuple. T'as essayé de débrancher, de rebrancher l'exil. Ah, il va m'aider à faire les trucs qui manquaient. Putain, heureusement, la secte des hackers nous aide un petit peu. Enfin bon, ça se débrouillait très bien sans nous déjà, hein. Mais effectivement, du coup, ça représente tous les peuples et ça représente les liens en fait qui, en fait, on a le bon instinct. Ce truc-là représentait des liens, mais en fait les 5 points sont en fait les 5 peuples qui sont liés entre eux. Et si vous regardez bien. En fait, ici, il nous manque quand même un lien entre ces deux-là, là. Ça, c'est le dernier peuple qui est tout seul. Mais il nous manque quand même un lien ici, là, quand même. Entre les guerriers et les ingénieurs. Et c'était bien celui que je soupçonnais. Et je pense que il nous le manque. Il nous le manque. Et il est ici, le lien entre les guerriers et les ingénieurs. Voyez? Donc bon, je crois qu'on était retombé dessus sur cette putain de porte. Mais je pense qu'il nous manque un lien entre les alchimistes et les guerriers. Je crois que c'était en bas, c'était genre par là-bas là. Ça m'agace un petit peu de pas savoir où est la dernière porte à cet étage-là. Et c'est très drôle parce que ce jeu, en fait, tous les trucs qu'il a et qui ressemblent un peu à des secrets, machin, etc., en fait, c'est juste des trucs qui sont là depuis. Genre, typiquement, vous savez, au début, on était en mode, ouais, les terminales et tout. Ah, je pense que j'ai compris. C'est de la téléportation, machin, tout ça. Alors qu'en réalité, c'est vraiment des éléments qui sont juste là. Depuis le début, quoi. Enfin bref, je sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce qu'on a juste ici? Les guerriers
porte un bateau. Vaisseau? C'est vaisseau pour bateau? Ouais. Facile ça. Ah putain de merde. Oh il est mis un système de défense le con. Heureusement, ce système de défense est nul à chier. Tu as peur de mourir? Je t'aiderai. Le peuple d'exil ne meurt pas. Ah ouais, en fait, il y avait un virus sur leur tour. C'est ça le problème. C'est qu'il y avait, il y avait un virus installé sur leur tour. Aïe aïe aïe. Le coup classique. Le vieux Trojan que tu chopes en installant une tour, quoi. Con comme la lune, hein, celui-là en plus, hein, vraiment. C'est vraiment le truc que tu dois voir venir normalement, hein, mais bon. Salutations, tu as stoppé mon exil. Mon peuple va ressusciter la tour. Bloop. Lien avec les soldats qui a été effectué. Très bon ça, bravo. Est-ce qu'on se refait un petit tour de cette zone? Je sais pas. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même vers la partie haute de la tour qu'il doit y avoir une porte quand même. Qu'il doit y avoir un autre terminal comme ça. Mais bon, on essaiera-t-il dans le jeu? Peut-être que je ferai ça pour ma curiosité personnelle. Hein. Pour voir le true ending. Oh, par contre, je suis en train de me dire, est-ce que les bardes, leur porte bleue, elle est pas dans les égouts? J'ai un petit doute là. Rassurez-moi, leur porte bleue, elle est pas dans les égouts? Je me souviens plus où est-ce qu'elle est. Au secours. J'ai peur l'espace d'instant là. J'aimerais bien te rassurer, mais je ne sais rien. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, non, non. Oh non. C'est par là. Le fun en barre. Ah ça va, on la retrouve vite. On la retrouve vite. Alors. Théâtre, les bars d'allée. Facile. Easy game. Il est énervé un peu là. On l'a un peu agacé, Pépère, j'ai l'impression. Mais c'est bon ou elle est un peu facile cette salle quand même? Waouh! Oh, ça a été très rapide!
Putain, ça m'a fait peur tellement ça a été instantané, quoi. Vite, ok. C'est-à-dire que ouais, dès qu'il est tourné, c'est niqué, quoi. Ne m'arrête pas. J'aide le peuple. T'aides le peuple. Peut-être à moi d'en décider, hein. Allez. Putain, ça m'a assassiné le machin là. Bordel. Non mais oh, ça va pas non? Je vais t'aider. Je vais stopper l'exil. Je vais parler au peuple. Merci mon cher. Ah bah il en manque un. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, il en manque un. Hein. Mais bon. Mais non, en plus on a déjà lié les guerriers et les... Mais non, on a déjà lié les guerriers et les machins là. Et les scientifiques en fait, et les chercheurs. Est-ce que la dernière porte c'est juste un point de passage bête? Parce qu'ils ont tous besoin d'être liés qu'à un seul en fait. Je me trompe peut-être. Ça sert à rien de perdre du temps de toute façon là-dessus. On va voir. Alors. Par là, plutôt par là. Ah mais oui, elle est pas la mine d'argent. Oh non, pas du tout. Pas, mais alors, mais pas du tout. Ok. Non, la mine d'argent c'était un terminal. Mais non, en plus. C'était quoi la mine d'argent alors? Il y avait un truc sous la mine d'argent aussi. Y'a pas un truc sous la mine d'argent à un moment? C'était quoi sous la mine d'argent? C'était un terminal? Les livres! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis un mec comme As, moi. Non mais attends, mais les malades mentaux là! Il est où le quatrième? Il y en a que trois, au secours. Le quatrième est là, il va me sauter dessus. Il faut que je passe par où là? Il faut que je passe par là. Mais à l'aide! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou dingo là? C'est quand lui il a fait son demi-tour qu'il faut passer vite. On va attendre que lui passe. Vite, bouge ton fiac. Cours. Je passe la limite hein. Tu es un étranger, tu n'es pas de mon peuple, je t'arrêterai. C'est vrai, cours toujours, ouais. En attendant c'est moi qui appuie sur le bouton hein. Il est pas content du tout. Tu as aidé mon peuple. Mon peuple va aider la tour. Nous allons parler au peuple. Est-ce que là ça complète la forme du coup ou pas? Non, vous voyez, il manque bien un lien entre ces deux là. Il manque bien un dernier putain de lien. Pas fou.
Et c'était quoi déjà qu'il y avait sous la mine d'argent là? Et il manque une dernière putain de porte et on sait pas où elle est. Et est-ce qu'elle va nous gêner? Je ne le sais pas, mais elle est là, cette porte. Et elle va nous saouler à un moment ou à un autre. Je sais plus ce que c'est. Là, là. Ici, là. Qu'est-ce que c'était qu'il y avait? Je me souviens qu'il y avait un truc qu'on a exploré plusieurs fois. J'étais en mode 1. Ah, mais c'est juste un deuxième terminal? Attends, mais il y avait un deuxième terminal. Oh putain, donc lui il est pas forcément au deuxième étage. Il peut être au troisième aussi. Bon après il y a un ascenseur entre les deux là, donc je pense que ça va être relativement au même quand même. Oh bordel. Bon. J'imagine qu'il est là, mais par contre il nous manque un lien du coup, j'ai l'impression. Donc est-ce qu'on a réussi à tout éteindre et on a réussi à sauver tout le monde? Je ne sais pas. Mais d'avis qu'il me manque quand même un lien. Ouais. Mais d'avis qu'il manque quand même un lien parce qu'on n'a pas cette dernière porte. Ne monte pas. Si tu montes, la tour mourra. Aide-nous. Fais que les peuples se parlent. Ouais, c'est ça. Donc il y a un bad ending en fait, c'est ça? Donc il faut qu'on aille chercher cette dernière putain de tour là. Cette dernière putain de porte. Elle est bien au troisième. Elle est bien à cet étage là cette porte. Donc il y a bien un kink, n'importe quoi, un délire. Entre cette porte là et cette porte là, il y a une porte. Donc elle est censée être au deuxième étage. Elle est censée être chez les soldats, cette deuxième porte. Et ceux qu'on n'a pas encore liés, c'est bel et bien les soldats et les ingénieurs. Les ingénieurs, on les a liés... J'essaie de me souvenir un petit peu. Les ingénieurs, on les a liés aux dévots, avec le premier truc. Avec les, j'ai pas envie que les plantes meurent. T'inquiète pas, je vais te faire des potions. Le deuxième, c'était les ingénieurs et les bardes. Pardon, oui, c'est ça. Où on disait, oui, le barde disait, je cherche mes frères, nous n'avons pas de frères, machin, etc. Et l'autre est en mode, mais si, j'aime les livres, nous sommes des frères. Et ils sont en mode, ouais, nous sommes des frères, youpi. Et le troisième... Putain, je me souviens des guerriers et des bardes. Où genre ils disent ouais les bardes sont idiots et l'autre il dit oui mais les guerriers sont idiots et l'autre lui dit oui mais les guerriers aiment bien la musique quand même. Il est en mode ah oui c'est vrai bah on viendra jouer de la musique. Et les dévots et les bardes, j'ai oublié leur interaction. Est-ce que c'est par là? Après la case des armes peut-être? Dans la case des armes? Je crois pas, non. Non, y a rien. Où est-ce qu'on n'a pas cherché encore? Alors, est-ce que c'est ici? Un recoin secret dans ce petit machin-là? Dans cette salle de l'enfer? Mais y a nulle part où on peut rentrer, là, hein.
Ça va être plus loin, ça va être dans la partie haute de la tour, et la partie haute de la tour, on y accède par là-bas. Dans la partie haute de la forteresse, pardon. À partir de maintenant, faut que j'ouvre les yeux sévères, là. Est-ce que sous cette lanterne, j'ai raté un truc, peut-être ? Rien de plus. Eux, il leur fallait une bouteille là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai ratées? Je comprends pas. Est-ce que vous avez vu un endroit où j'ai raté un truc? Toi, prends la bouteille, va décharger la bouteille. Mais tout ça, c'était fait pour nous emmener dans la salle du trésor. C'est fou cette histoire. Puis là, il n'y a vraiment pas d'autre passage, quoi. Alors, est-ce que c'est... Parce que j'ai ignoré cette salle tout à l'heure. Hein. C'est aussi possible que ce soit ça. Hein. Putain. Je suis passé juste à côté en plus. Hein. Ah, la haine. Ah, la haine. Il y a une traduction là. Je suis vraiment passé là et je suis rentré dans cette salle et j'étais en mode non, non, c'est pas ça. Voilà, ok. Les alchimistes cherchent à aider le monstre. Les. Alors, scientifiques. Chercher, vouloir aider. Monstre. Vaisseau, clé, fabriqué, scientifique, protégé, bouteille. Putain, c'est impur, me dis pas que c'est impur. C'est impur, j'y crois pas. Les alchimistes, donc eux, quand ils sont allés les aider, ils ont dit what the fuck, mais attends, mais c'est pas du tout les mêmes. Alors, les alchimistes, peur, facile. Les alchimistes ne veulent pas mourir. Les alchimistes. La négation, c'est quoi déjà? La négation, je vois sa tête, mais je retrouve pas le symbole, je crois. Bah alors? C'est une barre simple, non? Enfin, c'est un truc hyper simple, la négation, je crois. C'est une barre verticale avec un zigoui, non? Petit caisse, possédé, protégé, fabriqué, élu, appel. Lune, aider, chercher, vouloir, scientifique, créer. Ok, où est-ce que j'ai raté la... Ah non, c'est ça! Pardon. Pas vouloir. Pas vouloir mort. Guerrier, pas peur de la mort, on l'avait vu assez vite, je crois, ça. Hein. Mort. Ok, les guerriers n'ont pas peur de l'impur. Alors. Guerrier les peur négation impur. Guerrier. Là.
Guerrier, peur, négation. Non. Merde, non. Guerrier, pluriel. Peur, négation. Monstre. Ah, non. Bah alors ? Les guerriers n'ont pas peur de l'impur. Eh ben. Ah non ! Ok, c'est guerrier les pas peur monstre. Ah ouais, ok. Les guerriers aideront les scientifiques. Guerrier, les. Aider, j'ai oublié. C'est un rond, c'est celui-là. Aider. Alchimiste, les. Yeah! Voilà, c'était le dernier lien qui nous manquait. Toup, toup, toup. Quelque chose a changé dans la tour. Et donc là, tous les liens sont tous tissés, quoi. Donc là, normalement, c'est bon, on est d'accord. Ils sont tous contents. Toutes les tours sont faites. Donc let's go sur celle-là et puis c'est parti quoi, on va affronter l'œil de Sauron. Alors. Est-ce qu'il va s'être éteint du coup ce gros con là? Ou est-ce qu'il y a un dernier combat contre l'impur infernal du cul? Ouais, là il ne dit plus rien là. Oh là, vite! Non mais y'en a un derrière toi! Bâtard. Hein? Ah! Ils nous ont rendu buggy et il va falloir être un génie. Oula. Pourquoi on s'est juste fait attaquer comme ça? Quelles sont les conséquences de ce truc là? Je comprends pas cette attaque. Quelles sont les conséquences de l'attaque qu'on vient de subir là? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est le retour au début, les cons là. C'est fait exprès. C'est un peu l'autre twist. C'est un peu l'autre twist. Qu'est-ce que c'est que ces arches cheloues hein? What? Mais c'était aussi chelou que ça l'architecture au début?
Non mais attends, il y a un problème là. Ta sœur, vas-y. On comprend plus les mots. Qu'est-ce que c'est que ce brainfuck encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? On va rien comprendre à ce qu'elle raconte. Viens! Ah, je peux quand même comprendre les gens. Merci, ma bonne dame. Merci, merci. Bah oui, en fait, on a organisé une révolution, en fait. Nous, on s'est fait zapper, mais... Vous vous souvenez de ce qui se passait là ou pas? En fait, on est tous dans la matrice. Il faut aller retrouver à quoi ça correspondait. Le bout de cette fresque, et il est juste là. En vrai, c'est stylé cette fin là. Les impurs faisant illisible de la musique. Mais c'était dans la fresque ça? C'était dans la fresque ça? Ce n'est pas que c'est dans la fresque cette histoire. Les impurs faisant de la musique. C'est tellement subtil les petits glitchs là. Oh, c'est tellement un régal. Bravo petite, tu vas sauver la tour à toi toute seule. Ok. Idiot tu es. Calme-toi grande bourrique. Oh non, j'ai pas retenu le... C'est quoi? Putain, en vrai c'est dingue leur... Qu'est-ce qu'il me répond? Toi, moi pas aimé, un monstre toi être, un monstre toi être, un monstre toi être. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? En fait, on n'a pas été remis. Je suis libre. Oui, en fait, on n'a pas été laissé là. C'était pour ça que c'était chelou. Monte. Merci. C'est pour ça que. Parce que là, les escaliers menaient pas en haut. Et voilà, c'est ça.
En fait, c'était ça le truc, c'est qu'on n'a pas été laissé sur place en mode « Oh, le cimetière, bah dis donc, c'est impropre. » On n'a pas été laissé sur place en mode « Ouais, tout va bien. » En fait, ils nous ont mis dans une version buggée du monde, en fait. Si, lire... Faut que je retienne. Si, lire, feu. Si, lire, feu, boussole. J'ai pas retenu les paroles, moi. Si, lire, feu, boussole, épée. Monstre. Alchimiste, quoi? Si, lire, feu, boussole, épée. Alchimiste. Si, lire, feu, boussole, épée. Alchimiste. Oh putain de merde, ça va recommencer. Ça va être à nouveau le truc chelou vers un... Oh, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Ah, c'était dans le théâtre. C'était à la fin. Donc là, c'est... C'est quoi? C'est un alchimiste? Où est-ce qu'on l'a, l'alchimiste? Théâtre, moulin, pince, marteau, trouver, chercher, pince. Aimer, toi, être, arme, posséder, idiot, beauté, moi, question, salutation, guerrier, pas pluriel, barde. Ils ont pas de mot pour les alchimistes? Ils ont un mot pour l'humain? Est-ce que c'est un frère, du coup? C'est un frère, du coup, je pense, c'est ça? Donc c'est frère, barde, idiot, trouve. C'est où idiot déjà? Là. Et trouver. Attends, parce que la phrase, du coup, est écrite, en fait. C'est ça le truc qui dépassait du... C'est ça le truc qui dépassait du bousin, là. C'est ça, hein. Illisible, barde trouvée. Donc c'est frère, idiot, barde trouvée. Et pas barde idiot, je pense. Je pense que c'est ça. C'est soit frère, soit humain. Donc frère, il était quelque part par... Bordel. Frère, idiot, barde, trouvé. J'avais écrit barde, idiot, trouvé, alors que c'est idiot, barde en réalité. Ok. Donc là, retour chez les plus faciles. Je sens que je vais le regretter d'ailleurs. Ils ont briqué le mur, les cons. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille chercher ça?
C'est une fresque, mais alors laquelle? Bon, dans le long, de toute façon, elle est marquée. Il y a un truc marqué dessus qui est illisible. C'est celle qui doit être vraiment incompréhensible, qui doit avoir aucun rapport. Les dévots cherchant Dieu en haut. Je pense pas que ce soit ça. Elle est pas glitchée, elle est juste cassée celle-là. Oh les bâtards, il manque un bout carrément. Non mais vas-y. Eh par contre vous êtes des salauds. Il va falloir la retrouver. Vas-y, il saoule. Il faut la chercher autre part. Qu'est-ce que ce merdier encore? Oh là 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 là, attends. Les bouts de stèle là. Oh non. Ah si, c'est bon, ça continue par là. Ouais, elle est là. Les scientifiques fabriquant une potion finalement. C'est ça qui nous manque. Par contre, c'est marrant, c'est écrit en langage. En langage des alchimistes. C'est normal ça? Et là, en fait, ce petit bout là, c'est un lait. C'est un lait de. Un pluriel. Putain. Un pluriel du. Merci la caméra. Un pluriel du langage des alchimistes, ça. Ok. Et bah, les alchimistes fabricants des potions. Facile. Alors. Donc. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, les bâtards. Il n'y a que 4 caractères? Du coup, c'est un alchimiste? Mais je crois pas en plus. Créer, c'est en cercle concentrique, c'est ça. Je pense que c'est les alchimistes trouvent la formule. Mais bon. C'est quoi déjà formule? J'ai oublié. Ça. Donc c'est... Ok. Ah, mais quoi encore? Merde, hein. Ah! Mais t'es pas censé avoir peur du... à peur de la lumière, toi? Attendez, je fais... Ah, putain, si, faut que je fuis quand même, d'accord, ok. Faut que je fuis quand même, d'accord. Oh, bordel. Quoi? Mais non, mais merde! Mais qu'est-ce que c'est que ce trip sous acide? Je suis coincé?
Bah, je suis coincé, ta sœur. Je suis à nouveau coincé. Faut suivre les tuyaux. Jusqu'à la vanne. C'est ça. Ah, mais l'angoisse, bordel de merde! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Puis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Pas aller. Oh là. C'est moi-même! Il m'a mis dans une simulation, le bâtard! Je vais te désactiver. Tu vas voir ta sœur. Voilà. C'était moi! Il m'avait mis moi-même dans une simulation. Heureusement, je me suis sauvé moi-même. Putain, regardez, c'est fait exprès pour... Ils sont fait exprès pour me ressembler, les connards. En fait, regarde. Attends, mais je suis où, là? Salutations, tu as arrêté Exil. Tu as ressuscité mon peuple. Bah, de rien, en fait. Mais donc là, maintenant, c'est vraiment la fin du jeu? Il n'y a pas de musique chez eux, par contre. Hein. On se fait chier. Hein. On se fait chier la bite. Hein. Who knows? Who knows? Monte! Tu as ouvert les portes, tu as ressuscité la tour. Peut-être que t'as une deuxième tour après ça, peut-être, hein? Ouais, voilà, ça a pas la même tête là! Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous ont mis dans une simulation défaillante. Donc, évidemment, on est sorti trop vite parce que c'était trop facile, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont bloqués dans la matrice depuis 150 ans. Moi, je suis l'élu, j'arrive en 2 minutes, c'est réglé, quoi. Tu vois? Je veux dire, bon. À un moment, bon. Tu vois ou pas? Et donc, du coup, là, énorme teuf. Parce que il y a tout le monde, quoi. Il y a tous les gens importants, quoi. Est-ce que j'ai une dernière énigme ou est-ce que j'appuie sur le bouton et c'est fini? Je me tais. Ça fait Dieu et ça fait... Ah, ça fait machin dans toutes les langues. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Et donc là, ça a écrit un truc en plein de langues différentes et j'ai pas compris. C'était Dieu, devoir, Dieu, devoir, beauté. Dieu, devoir, beauté. Machin, exil. J'ai pas retenu celui qui est rond avec un triangle comme ça, là. Je pense qu'on a sauvé tout le monde, hein, et puis voilà. Hein. Bravo, quoi. Bravo! Mesdames, messieurs, générique. Donc on rappelle, hein, c'est un petit studio... un petit studio toulousain, ils étaient pas très très nombreux, j'imagine, vu que ça avait l'air d'être un... Ça avait l'air d'être un... Peut-être pas un premier jeu, mais... Bravo à toutes les personnes qui ont bossé dessus, en tout cas. Hein. Magnifique. En vrai, très beau.
Le petit plot twist final est sympa. Ça me fait rire parce que du coup, c'est un petit studio, ils sont une équipe de quoi ? Ils doivent être 10 au maximum, mais ils font réapparaître leur nom 4 fois dans le générique. Ah non, même pas. Ah si, Thomas Panuel, on l'a vu plus d'une fois quoi. Pareil, Thomas Beduno, bon, ils sont pas 10. J'exagère, ils sont pas 10. Ah non, mais c'est les early playtesters ça ! Non, mais ouais, dis donc ! Vous pouvez pas faire un générique de 150 km de long juste pour faire genre il y a eu 150 personnes ! On vous a vu, hein ! On vous a vu, toute la famille Moya Lazaro qui a testé là. Pardon. Non, en vrai, le jeu est super. Si je dois lui adresser une critique, c'est que le plot twist final, il dure pas très très longtemps. Mais en vrai, pour un jeu qui coûte 20 balles et qui dure une dizaine d'heures, il est incroyable en vrai. Il est incroyable en vrai. Mais ils sont plus nombreux que ça en fait. Attends, mais je suis en train de compter plus de 10 prénoms différents là. Parce qu'il y a des gens qu'on voit revenir, genre Vincent Roux et tout là. Mais ils nous remettent un coup de playtester. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, la localisation, du coup, putain, ça a pas dû être face. Oh, l'enfer ! L'enfer de traduire ce jeu, j'imagine. Oh, tu me diras pas tant que ça, en fait. Non, tu me diras, en fait, pas tant que ça. Putain, ils l'ont traduit en japonais. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, la traduction en japonais. En vrai, est-ce que vous pensez qu'il y a des langues dans lesquelles ce jeu est plus dur que d'autres ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens ou il y a des langues où vraiment ce jeu il est ultra hardcore parce qu'ils ont une grammaire qui est horrible. En tout cas, très très joli jeu, magnifique, bravo à Rundisk encore, félicitations parce que on adore, simplement. Très beau jeu, magnifique, le plot twist final est rigolo et c'est très drôle parce que rappelez-vous Tien qui au premier, deuxième stream disait... Putain, c'est marrant, l'architecture, on dirait vachement du... j'ai oublié le nom, Eket, Edkes, Ed... Je sais plus quoi, là, le mec qui s'amuse à faire des perspectives dans le livre, bah, le plot twist final, c'est ça, finalement. C'est qu'en fait, on est dans une espèce de monde comme ça, quoi. À la fin. Bref, voilà, donc vraiment, j'ai adoré. Et puis, voilà. Chance of Scénar, c'est terminé. Des bisous à vous, les cocos. Bonne soirée, et demain matin, Slay the Spire, vous-même, vous connaissez. Ciao, ciao.